Bon, Samy, vous allez me dire pourquoi ce costume ? Parce que, parce que je vais maintenant vous poser des questions de fond, en ski et sur fond vert. Donc c'est l'heure de l'interview ski de fond vert. Ah ben bah allons-y. Vous êtes partant ? Oui, bien sûr. Vous êtes toujours partant ? Toujours. J'adore. Alors au fond, Samy, vous en avez profité en fait. Ce film, c'est pas du taf, c'était des vacances. En grande partie, c'était des vacances, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il faut le répondre dans le micro, ce qui est pas pratique en skiant, je vous le concède. Mais, du fait d'être là-bas, c'était, le cadre était magnifique, on était une bonne bande de copains, on avait les skis, on avait tout, il manquait que la neige, quoi. Ah, on a fini neige. Par la trouver en Autriche. Ah d'accord, ouais. c'était pas chez vous, en Savoie. Il n'y avait rien. Non. Ah mince, bah, ouais. Oh, des conditions difficiles finalement. Est-ce qu'au fond, vous auriez pas voulu être un sportif de haut niveau plus qu'un acteur? J'ai essayé. Ouais, mais j'ai pas réussi, j'avais pas le niveau. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc c'est par défaut? Absolument. Bah, c'est un choix de défaut. Oui, c'est ça. Vous avez bien fait, je crois. Je m'en tire pas trop mal, là, je crois. Absolument. Ouais. Et puis en plus, au fond, ça fait quoi de tourner avec des femmes sublimes comme Oratica, Emmanuel Béart, Chiara Mastroianni? J'ai cru que vous alliez me parler de vous. Ah bah non, parce que là, c'est pas un film, ça. On est dans une émission la réalité, de télé. Mais oui, bah écoutez, on s'en remet pas, voilà. On s'en remet jamais. On s'en remet jamais, non. Ouais. Et votre femme, elle s'en remet, au fond? Elle s'en est pas remise. ça doit être dur, moi, je trouve. Et au fond, cette histoire, c'est aussi un peu votre histoire, non? Tout est possible. Tout est possible. Parce que vous avez dit une fois, j'ai grandi enfermée dans mon quartier, mon ghetto mental. On se disait que le reste n'était pas pour nous. Alors que là, dans l'histoire, Samir, tout est possible, il y croit, oui, il va être qualifié au JO, oui, il va y arriver. Et c'est ce qui se passe, oui. Et c'est ce qui s'est passé pour vous aussi. Oui, tout à fait. Oui, vous allez être comédien, oui, vous allez être arrivé, oui, vous avez eu un César. Mais oui, en plus, oui. Et quelle carrière, quand même. Hein. Ah, pas mal. Hein. Et au fond, ça fait quoi, Samy, d'avoir le même prénom que le meilleur ami de Scooby-Doo? Putain, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas faite, celle-là. Eh ben, ça fait drôle. Ça fait quelque chose. Ça fait à chaque fois, Samy, il est où Scooby? Ah ouais. Samy, il est où Scooby? C'est ça, non? Oui. C'est comme ça? Et au fond, ça fait quoi d'avoir le même prénom que le rappeur? Lequel? Bah, le chauffeur de taxi. Ah putain, mais oui, c'est vrai qu'il a sorti une chanson, il paraît. Là, il me surprendra toujours. Bah, Samy, la série, ouais. Ouais, bah, c'est un pote, hein, donc voilà, je vais pas vous cracher dans la soupe. Pas? Non, pas du tout. C'est un style. Mais c'est un nouveau style de rap champêtre. C'est du slam, en fait. C'est du slam champêtre. Ah, bah, d'accord. Ouais, regardez, c'est pas mal. Il est torse nu. Oui, bah, je vais voir. Ouais. Et au fond, vous êtes plutôt couscous ou fondu. Il n'y a que moi qui fonce, hein, là, j'ai l'impression. Mais, j'essaie de vous suivre. J'essaie de vous suivre. Fondu. Allez, Gaudi, là. Gaudi, là, lui. Il y a déjà le monde. Oh, merde. Oh là là, on aura tout vu sur cette piste noire. Au fond, vous pensez pas qu'on a un peu l'air con à faire semblant de dévaler une piste alors que finalement, on est en studio à Boulogne-Billancourt? Et voilà, c'est ça le truc là. Mais je compte sur vous pour nous sauver la face, quoi. Oui, bah, j'arrive. Mais c'était quand même un bon moment. Ah, c'était super. Et puis un peu d'air frais, ça. Ah, surtout que, enfin, fait chaud là quand même. Hein? Fait chaud un peu. Fait chaud, ouais. Ouais. On va changer. Samy, vous savez, je me pose cette question en voyant toute cette neige là et cette météo pourrie. Attention, écoutez-moi bien. Faut-il présenter son nouveau petit copain lorsqu'il est présentateur météo?